J'invite tout un chacun à rester dans ce qu'il vient de recevoir, à rester dans la dynamique, dans la mouvance, le secours, la présence et le silence du Saint-Esprit. Je veux que chacun d'entre nous ferme les yeux totalement et dise au fond de lui-même, Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Nous n'inventons rien. Nous lisons la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Romains au chapitre 8, où l'apôtre Paul nous fait cette déclaration théologique et même prophétique en disant que c'est l'Esprit Saint lui-même en personne qui se joint à notre esprit pour attester à notre esprit que nous sommes enfants. Donc toi qui es là en retraite, loin de tout, ne pense qu'à l'Esprit Saint, ne fais qu'imaginer sa présence et laisse-toi toucher par sa présence. Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Si tu es comblé du Saint-Esprit, continue à lui demander de se joindre à ton esprit. Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Puisque tu es en retraite, comme le Christ qui s'isolait, qui se tenait en retrait, qui se retirait du monde, puisque tu es en retraite, tu n'as pas le droit de penser à autre chose, si ce n'est à ton Dieu, à ton Seigneur Jésus-Christ, à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint te comble de cela. Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, Esprit Saint, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, envoie ton Esprit Saint et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Votre retraite est sous la couverture du Saint-Esprit de Dieu. Dites amen. Votre retraite est sous la couverture spécial du Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce temps d'enseignement est mis sous la couverture du Saint-Esprit de Dieu. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Je m'appelle Abbé Vivien Nadjak. Vous me connaissez, oui. Vous ne me connaissez pas. J'aperçois des visages que je reconnais ici. Ça me rassure. Je m'appelle Abbé Vivien Nadjak. Je suis prêtre depuis 2011. J'étais à la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam.
Désormais, je suis vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar. C'est bon? Pour les présentations, ça va? Man xam ngeen li ma neex dama koy wax rek te mu yom fi. C'est-à-dire day am ñen ñoo xamne dañoo bëgg topodo Yesu bu fu Yesu di def retraite yeen ngeen da ngeen di def retraite. Vous êtes forte. Que le Seigneur vous rende au centuple ce que votre cœur désire jusqu'à ce que vous l'accomplissiez. Wow. Alors, la communauté Jeune Espérance, je demande que le Seigneur continue de vous bénir. Et dites Amen pour Jeune Espérance. Oh. Jeune Espérance, li ngeen fi dess, li ngeen fi def, mi ngi fi di toj dekk bi, n'est-ce pas? Di fi tagé, ñukay xol diko gis, di sante Yalla sun borom, diko ñaan mu may leen wër gu yaram ak mën mën ak xam xam ak yek yek ngir ngeen agali lim leen sante. Waaw. Waaw waaw. Gis nga nak nit buy def lu rafet, da nga koy wax, da ngay def li ngay def dafa rafet. On est quoi? On est 75 à peu près femmes, n'est-ce pas? Moi aujourd'hui je deviens une femme. Spirituellement parlant, parce que biologiquement c'est pas possible. Spirituellement parlant, donc 75 femmes regroupées autour d'un essentiel. Yalla, qu'est-ce que c'est là? Kenen, on oublie tout. Oubliez-moi vos comptes bancaires là-bas, votre mari là, oubliez-le un instant. Votre petit frère, votre enfant, laissez-le là-bas. Il est en paix là-bas. Vous gérez-vous aujourd'hui en face de Dieu. Raison pour laquelle nous avons un thème qui nous rassemble. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Point. Louez-le sans cesse. Notez. Ouvrez. Allumez vos portables là. Pour le temps de lancer. Écrivez, notez. Vous allez noter. Taï, notez-le. Notez-le. Parce que tamit dañoo sonn. Dama koy wax kanam ma Elmi. Ak maman Josette dañu sonn di joxe ci enseignement yi tém bi di délu cité vous ne prenez pas note notez note eh les centres notez tout le monde note notez parce que tamit dañuy on fait que reprendre les mêmes choses mais il faut retenir pour que dans vos familles vous repreniez les mêmes choses pour que si vous avez besoin de parler à quelqu'un que vos paroles ne soient pas libres mais que vous repreniez la parole de Dieu pour l'instaurer l'établir dans vos discussions. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. Parce que l'Esprit Saint va nous couvrir. J'ai commencé mon enseignement par un chant que j'aime, vous le connaissez. Je ne veux pas que nous allons vous dire. Parce que toi, tu es l'air de la vie. Je ne veux pas que nous allons vous dire. Qui est top, qui est je reprends. Bëgguñu benen alal gudul yow ndax yaay lerayu aduna bëgguñu benen alal gudul yow kula topa du dox ci lendem yalla sunu bay yow yalla borom kata nangul jebal. C'est la lance d'homme, il est, t'es maille, nous de guerre, j'ai l'ouïe de galé, yo, nano maré, nous j'en nano maré, ouf, nous j'en lasse, nous y hol, begouño benen, alal goudoul yo, nahiaï, le rayo aduna, begouño benen, alal goudoul yo, la topa du dox ci la dem yalla sunu ba yow yalla bobu katan nangul jebalé ilé té déglol sunu ñaan selalal sa dom ilé té maylé lu de guer ci lu ñu digalé yow nanu maré o nanu maré o. Begouño benen alal gudul yo ndax yaay le rayu aduna ken du ko weti begouño benen alal gudul yo kula topa du dox ci le dem
so no bad. Yo yalla borom katan nangol che balé yile de deglol so no ñaan selalal sa dom yile de may digale kyo nano mare o do la so no hol nano mare o ay 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 nano mare o mare o ken tok ko sen xol na len mare o ken tok ko sen xol na len mare o ken tok ko sen xol na len mare o ken tok ko sen xol na len mare o extraordinairement beau. Nous n'avons pas un autre trésor dont nous avons besoin, si ce n'est Dieu. C'est pas vrai, ça? Ah, voilà, et puis on dit à Marie, mais prends-nous en charge, rec, et puis nous te donnons tout notre cœur. C'est pas beau, ça? On a traduit du Wolof en français, c'est aussi simple que ça. Alors, cherchez Dieu de tout son cœur. Louez-le, de tout votre cœur, louez-le sans cesse. Alors, les préliminaires de cet enseignement. Je vais partir de Jérémie, n'est-ce pas? En passant par le psaume 62, Jérémie 29, en passant par le psaume 62, pour arriver à notre thème. Ce sont les préliminaires. Dans le livre de Jérémie, on y va au chapitre 29. C'est un travail qu'on va faire. Ceux qui ont des Bibles, ouvrez. On n'invente rien. Nous sommes là. Ou bien je le lis directement. C'est la même chose. Chapitre 29. On y va. Au chapitre 29, verset 1. Après le verset 11 et le verset 12 et le verset 13 jusqu'au verset 14. Donc nous avons Jérémie, chapitre 29. C'est bon? Le verset 1er. Le verset 1er pour raconter le contexte dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Je cite. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à ceux des anciens qui survivaient en exil, et aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Situation catastrophique, situation de détresse. Ils étaient à Jérusalem, on les transfère en exil, donc en esclavage à Babylone. C'est de là, à Jérusalem, que le prophète Jérémie leur envoie une lettre. Et dans laquelle lettre on lit ceci. Car moi je connais les pensées que je forme à vos sujets. C'est le Seigneur qui parle maintenant au verset 11. Oracle du Seigneur. Pensées de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et une espérance. Quand on vient en retraite, on a quitté notre passé d'hier, d'avant-hier, des jours passés, des mois passés, des années passées. On vient en retraite parce que nous sommes sensibles à un avenir meilleur, à un avenir de paix, à un avenir qui n'est pas de malheur et à une espérance très forte. Le verset 12 dit, vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Le verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Le verset 14, je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, oracle du Seigneur, et je vous ramènerai au lieu dont je vous ai exilés. C'est bon? Ce que je tire de ces versets, c'est le contexte. C'était dur pour eux, ils sont en exil. Une parole d'espérance leur est adressée. Et cette parole dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, comme pour dire que celui qui cherche le Seigneur, il peut le trouver. Mais s'il peut le trouver, c'est parce que le Seigneur, lui, il se laisse trouver. Est-ce qu'on peut retenir ça? Vous me chercherez. Oui, vous me trouverez. Donc, il y a une possibilité de trouver le Seigneur. Mais pourquoi il y a une possibilité de trouver le Seigneur? Ce n'est peut-être pas par nos propres forces. Mais c'est parce qu'il y a une disposition constante prise par le Seigneur qui lui-même le dit, je me laisserai trouver. Hey, why? Tu cherches le Seigneur,
il dit que lui il se laisse trouver. Kon jarul ngay tal torche diko weur sax yow, mom il est déjà là, il est présent, il se laisse trouver. Est-ce qu'on peut retenir que le Seigneur se laisse trouver? Donc tu vas en retraite, n'est-ce pas? Ne crois pas que c'est toi qui vas directement ou forcément trouver le Seigneur. Lui-même, il est disposé à ce que tu le retrouves. On peut arrêter la retraite ici et rentrer parce que c'est bon. Si. On cherche. Mais celui qu'on cherche même, il nous dit, il nous déclare, il nous promet et il dispose que lui, il se laisse trouver. Donc nous n'y a qu'une faïda, n'y a qu'une foule. Ñung kay wër mu né waw man mi bala ngeen may wër sax wala fi ngeen may wëré man sama walu bop bëgg na ngeen gis ma bëgg na ngeen jot ma bëgg na ngeen jot ci lima am pour yeen kon dañuy jël on prend tout on laisse rien vous n'êtes pas d'accord day lèr dé kon Jérémie chapitre 29 ngeen jël le verset premier après ngeen dem jusqu'au verset 11 jusqu'au verset 14 mais vous savez quand on dit que le Seigneur, il se laisse trouver. Mais vous allez au livre des Lamentations, au chapitre 3. Oui, ça me mandaille. Moi, le texte là, mon truc. Chapitre 3, livre des Lamentations, verset 22 jusqu'au verset 25. Vous me chercherez, vous me trouverez. Pourquoi vous me trouverez? Parce que moi, je me laisse trouver. Mais au moment où on imagine que le Monsieur là, notre Dieu, il se laisse trouver, lui-même dans le livre des Lamentations, ou bien l'auteur du livre des Lamentations qui est Jérémie, de nous rappeler que le Seigneur lui-même, chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses miséricordes. Oui, ça m'en est. Oui. Toi, tu cherches le gars. Le gars, il se laisse trouver. Il se laisse trouver, mais chaque matin, il veut renouveler les grâces, les bénédictions pour que tu le retrouves. Le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 25. Mais ce qui m'attire le plus, c'est la fin du verset 25. Parce qu'il parle là-bas de chercher le Seigneur. On va y arriver, hein? On va y arriver. N'est-ce pas? On est bon? Si on n'est pas bon, vous m'arrêtez ainsi, je raconte des charabia là. Vous dites, là, mais non, on n'est pas sûr de ce que tu racontes. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous allez vérifier dans la Bible là, je ne mens pas de cela là-dedans. L'abbé Doufène. Il finit par dire le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il se laisse trouver. Il fait monts et merveilles. Il fait des mains et des pieds pour que chaque matin, sa miséricorde, ses bontés se renouvellent. Et il dit, finalement, bon, celui qui me cherche là, voilà, moi je suis bon pour lui. C'est cool? C'est pas intéressant ça? Je suis toujours dans les préliminaires de là, le goût affaire bizarre. Vous savez, on le cherche parce qu'il se laisse trouver. Mais il est tellement intelligent que pour se laisser trouver, il renouvelle ses grâces chaque matin. Et il poursuit en disant, dans la lettre aux Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit ceci. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe, mieux encore, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver d'eux. Mais pour davantage nous tirer vers lui, pour nous appâter, pour nous apprivoiser, pour qu'on continue à le chercher, il dispose chaque grâce, chaque matin, ses miséricordes et ses bontés. Un. Deux, il veut faire en sorte que celui qui le cherche là, il le récompense. Quand tu sais qu'à la fin là, on va te récompenser, force et tu cherches. Quand tu te lèves chaque matin pour aller au boulot là, c'est parce que c'est sûr qu'à la fin du mois, on va te payer, non? Ou bien? Ah, mais c'est aussi simple que ça. Tu cherches, parce qu'à la fin, tu vas trouver une récompense. On ne cherche pas le Seigneur sans qu'il nous récompense. Chaque fois qu'on l'a cherché, il a manifesté une récompense particulière pour nous, ou bien de manière collective pour nous tous. Donc c'était Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais regardez, nous dans notre vie de foi là, on croit qu'on est les meilleurs souvent, que nous sommes les premiers à avoir fait ceci ou cela. Mais c'est faux. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Ce que je fais là aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui l'avait fait. Ce que nous ferons comme retraite là, notre groupe là, il y aura un autre groupe qui va revenir, qui va faire la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et au moment où on cherche le Seigneur,
Le psalmiste, il dit, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dès l'aube. Dès l'aube. Le psaume 62. Vous me chercherez, vous me trouverez. Il y a déjà quelqu'un qui s'est mis à le chercher. Qui se bat elle? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme, après toi, terre aride. Vous me chercherez, vous me trouverez. Je me laisse trouver. Il y a déjà quelqu'un qui a commencé à le chercher. Est-ce qu'on ne va pas suivre celui-là, Rek? Devenir des terres arides, altérées sans eau, ne vouloir que Dieu, ne chercher que Dieu. Et justement, le psalmiste, quand il le dit, c'est parce qu'il a expérimenté ça. Il l'a vécu. C'est pourquoi il ose ne pas mentir et dire à tout le monde, dans sa prière, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Après toi, langui ma chère. Manam, langui, khawma, sanna kala kay waxe ci wolof. Kholal, ngay wour affaire bi, di ko top ni, di koki, langui. Khawma, naka lako waxe, la langue bi di wacce. Je ne sais pas, il languit après son Seigneur. Donc, il est en position de recherche du Seigneur. Le psaume 62, je n'invente pas, c'est dans la Bible. C'est pas vrai. Eh, vous n'êtes pas d'accord? Je ne raconte rien de nouveau, ouais. C'est déjà. J'ai fini avec les préliminaires. Je suis parti, non? De Jérémie chapitre 29, verset 1. Puis les versets 11 à 14. En passant par le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 25. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Psaume 62, pour en arriver à notre thème. Entre le fait que le Seigneur, on le cherche et lui, il se laisse trouver, et que certains ont déjà commencé à le chercher, jusqu'à le trouver, je le cherche dès l'aube. Entre ces deux actions-là, il y aura toujours un impératif qui nous est lancé. C'est chercher le Seigneur de tout votre cœur, louer-le sans cesse. C'est bon? Est-ce que le cadre est bon? Non, non. Vous me chercherez, vous me trouverez parce que je suis là, je suis là. Mais ci digënté bobu non entre liñu promettre ak kéku non di def ñun dañuy japp impératif bi. C'est bon. Et ci loolu lañ nekk dans notre retraite 2021 bi au Mont Tabor. Xana neex na yeen da ngeen jël affaire ba ci kaw Mont Tabor ngeen dem ci kaw. Yesu da doon retiré wu. Il allait à la montagne. Faté len lepp nak. Nañu faté lepp. Pour xol Yesu kessé ak xel mu sellem. C'est bon. Wa nañu wat way bëggu benen. Merci rek xana fi ba fin au retraite bi di ngeen man woy bi amna ño xamne woyo guñu ba legui. Alors donc nous avons le droit de chercher le Seigneur parce que lui-même il se laisse trouver. Nous avons envie de faire comme le psalmiste, de languir après lui. Mais nañu comprendre lan moy lolu de gëntane, qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Et on a choisi par la communauté Jeune Espérance de revisiter à notre manière, hein, de revisiter le livre de Ben Sirac le Sage, ou si vous voulez, le livre du Siracide, ou si vous voulez encore, le livre de l'Ecclésiastique, n'est-ce pas, qui fait partie des livres sapientio, des livres de la sagesse dans l'Ancien Testament. Et nous avons pris, avec la communauté Jeune Espérance, le chapitre 51, le dernier chapitre, n'est-ce pas. Ils nous ont proposé du verset 18 au verset 30. Moi, je dis, je prends tout le chapitre.
Oh, il y a 18 qui ont 18. Jeune espérance, 18. Vous êtes très fort déjà. Et moi, je prends du premier verset jusqu'au 30e, comme un autre verset. Oh. Vous me donnez l'autorisation, non? Vous voulez oui ou non? Si vous ne voulez pas, j'arrête. Hein? Deux axes. Dans le premier entretien qu'on a ici ce matin, je vais prendre justement le temps de revisiter tout ce chapitre-là. Nous tenons ko jël ci affaire yi mu lèr ñu xëc jël tek suba nak ñu dem xolaat yenen texte ci bible bi yo xamné ni day confirmer luñ wax tay guerre gi day mondial dé saf sap lay def ma gi yam fi ñibi on l'a chanté tout à l'heure dans notre louange personne ne rentrera chez lui sans pour autant avoir reçu quelque chose ou changé quelque chose forcé né len amen madame donc tay n'est-ce pas? Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, louez-le sans cesse, mais selon Ben Sira le charge, l'Ecclésiastique au chapitre 51 du verset 1er jusqu'au verset 30. On le prend. Demain, quand on va revenir, on va prendre d'autres textes bibliques qui vont permettre de conforter ce que nous venons de dire aujourd'hui. Khana nekhna? Magna? Mais bol nekhé, de ngeni sourire touti. Sourire len, lala, vous êtes qui? Crispé. Lolé ni crispé, crispé xagnou fi dé. Même berger Joseph n'est pas crispé, donc on doit tous rire. Gay, vous savez, quand on veut commenter un texte, il faut qu'on aille dans le contexte même. Quand aujourd'hui on veut tirer de ce texte de Ben Sira le Sage au chapitre 51 du verset 1 au verset 30, n'est-ce pas? Le thème que nous avons pris, le thème qui va nous motiver à vivre cette retraite-là, il ne faut pas qu'on oublie, et c'est important, il ne faut pas qu'on oublie justement l'intérêt de pouvoir voir la situation de Ben Sira le Sage dans ce texte-là. Situation, son état, ce qu'il a vécu avant d'en arriver à notre thème. Et c'est ce que je m'applique à dire. On va prendre des versets de ce chapitre-là. Et j'intitule ça « Les raisons de chercher le Seigneur ». Ben Sira, au verset 2, il dit « Dieu est mon défenseur et mon soutien ». 1. Au verset 3, il dit qu'il a été délivré par la miséricorde de Dieu. Au verset 2, toujours, au verset 2, il rappelle justement tout ce qui lui arrivait comme mauvaise chose, perdition, des pièges de ses adversaires, calomnie et adversité. Au verset 3, il continue en disant qu'il a subi des menaces, il a même vécu des tourments. Il poursuit au verset 4 en disant qu'il s'est mis lui-même à suffoquer, car il y avait un feu qu'il n'avait pas allumé, mais que d'autres avaient allumé. Ce n'était certainement pas le feu du Saint-Esprit. Il poursuit au verset 7, au verset 5 en disant qu'il s'est retrouvé dans un gouffre, c'est-à-dire dans l'abîme. Dans le fossé, il était à l'intérieur. Situation où le Ben Sira don dundo. Pareil goulde, dès l'air, mangi cite verset idé. Il poursuit au verset 7. Il dit, on m'a siégé. Faut vous me gagner un acte. Il dit au verset 7, on m'a siégé de tous côtés. Aucun homme pour me secourir. Je regardais si quelqu'un me viendrait en aide, mais il n'y avait personne. C'est fort de. Est-ce qu'on peut monter hein? Au verset 2, piège, calomnie, tourment, gouffre. Non. Il cherche de l'aide tout autour de lui pour voir s'il y aurait un homme qui viendrait à son secours. Personne ne vient. Ouais, lui solution, oui. Eh, lui solution, oui. Ouais. Hein? Nous croyons comment? Mabamtu, je reviens à ce que je dis. Le monsieur, il est dans une situation inconfortable. Le verset 2, le verset 3, le verset 5, le verset 7, il rappelle ce qu'il vit et qu'il lui fait de la peine au cœur. C'est dur, c'est compliqué. Mouy lambato, il cherche où trouver refuge, il cherche où trouver un secours. Il n'en trouve pas. Aucun homme pour l'aider. Personne. Je demande, mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Hein?
Condé, vous avez résumé le thème. Nak. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans une situation inconfortable, si tel n'est pas le cas actuellement? Moi-même comme prêtre, moi-même, je dis bien moi-même comme prêtre, parce que ne nous voyez pas dans la joie, pensant que nous ne sommes pas des hommes capables de vivre des peines, ce n'est pas possible. Donc nous tous, combien de fois avons-nous connu ces situations inconfortables? Ou même pour dormir, tu n'y arrives pas. Ou même pour sentir de la joie, tu ne parviens pas à le faire. Tu as cherché à côté de l'être, ça ne s'est pas bien passé. Tu as cherché quelqu'un pour te secourir, ce n'était pas bien. Tu ne t'en es pas sorti. C'est ce que Ben Sira dit. Et c'est dans la Bible, chapitre 50. Est-ce qu'on peut comprendre, on comprend jusque-là? Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas simple à retenir? C'est très simple. Parce que je n'aime, c'est dans la Bible. Regarde, il en parle au chapitre 51 de son livre. Vers la fin, il y a tellement de belles choses qu'il a eu à dire dans les autres chapitres. On pourrait même passer toute une journée à en parler. Mais là, je m'intéresse au chapitre 50 parce que la communauté Jeune Espérance a choisi ça. C'est bon. Il cherche, il ne trouve pas. Aucun nom pour l'aider. Ken. De l'eau, l'ignatin, l'indal. Entre nous, le gars, il te regarde, il te dépasse comme ça. Et il sait que tu vis des situations difficiles. Mais vous avez Ben Sira, il est très fort. Au verset 8, il dit, je me suis rappelé de la miséricorde de Dieu. Ouais, ce yamon ti miséricorde rek ñu né dit, il dit de la miséricorde de Dieu, de sa bienfaisance. Ben Sira qui le dit au verset 8. Quand il était dans la situation là, c'était dur. Il a vite compris qu'il fallait se rappeler. Et il s'est rappelé justement de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de cette main tendue qui te tire de ta misère. Aucun homme ne l'a fait, mais Dieu était capable de le faire. Parce que Dieu lui a manifesté la miséricorde, mieux, il lui a manifesté sa bienfaisance. Bien, bon, donc, bien faire. Il lui a manifesté une bienveillance. Oui, bienfaisance, bienveillance. Pourquoi me surveillance de? Non, bien, veillance. Eh, c'est pas vrai. Vous n'êtes même pas convaincu. Ah, man, je sens des gens qui ne sont pas convaincus là. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est le contexte de Ben Sira. Mais maintenant, quand il a compris qu'il devait se rappeler de sa miséricorde, c'est là qu'il commence à chercher le Seigneur. Et comment il cherche le Seigneur? Il dit même dans son livre, il s'est mis à prier, à aller au temple, à supplier le Seigneur. Mais tout ça, ça rentre dans la recherche du Seigneur. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est le champ sémantique du verbe chercher le Seigneur. Ça là, l'expression là, dans ce qu'il dit. Au verset 20 et 24, il dit « mon âme ». Quand l'Église ou dans la Bible, on parle de l'âme d'une personne, c'est sa vie toute entière, l'âme. C'est la vie totale. Amul moitié, moitié, ben, 1%, voilà. Toute la vie, c'est l'âme. C'est bon. Il dit, mon âme, n'est-ce pas, avait soif de Dieu. Verset 20 ou 24. Il dit même, mon âme s'est dirigée vers la sagesse de Dieu. Tu veux chercher le Seigneur, Ben Sira te dit que ton âme, donc toute ta vie, premièrement, au verset 20 et au verset 24, que toute ta vie humaine, n'est-ce pas? Donc ton âme soit dirigée vers la sagesse de Dieu. Que ton âme ait soif de cette sagesse-là. C'est bon? Verset 20, verset 24. Il dit, mais dans cette soif-là, dans cette direction vers Dieu, il faut qu'il y ait un objet. L'objet, c'est lequel? Je cherche le Seigneur. Il dit, mon âme avait le désir du bien. Deuxième élément, le verset 18. Il poursuit, au verset 23,
au verset 26, au verset 28, il dit, moi, je me suis mis à l'école de Dieu. Tu cherches Dieu, mets-toi à son école. Pour recevoir quoi? Des instructions de Dieu, qu'il t'enseigne, qu'il t'apprenne comment tu dois être et ce que tu dois faire. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est pas encore clair, je vois des gens qui ne sont pas convaincus. Dans cette école-là, mon âme avait soif de Dieu. Mon âme désirait le bien. Je me suis inscrit à cette école-là pour recevoir une instruction parce que je suis dans la dynamique de chercher le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Je lui tends une oreille. Bo demé école da ngay jang té pour jang du beuti kessé dé pour jang nop bi faaw ñu tijj ka. Il m'a suffi, dit-il, de tendre un peu l'oreille. Un peu l'oreille. Eh, vous cherchez Dieu, non? Oh, oh. J'arrête, non? Si vous êtes fatigué, vous me dites, hein? Après moi, j'arrête. Si ce que je dis là, c'est pas vrai aussi, vous me dites là-bas, non. Ah, mais c'est ça, hein? Ah, vous confirmez? Parfait, on continue. Le verset 24, donc le verset 16, il dit tendre l'oreille à l'école du Seigneur. Cherchez le Seigneur, tends ton oreille. Au verset 24, il dit, il faut que tu constates de tes yeux. À l'école, on écoute. À l'école, on regarde. On observe. On constate de ses propres yeux. C'est bon? Donc, spirituellement parlant, notre âme, qui désire le bien, qui cherche le Seigneur spirituellement parlant, doit être ouverte. Non, non, non. Une âme fermée dans ses problèmes, qui ne se soucie que de ses problèmes, n'a pas le temps de s'ouvrir au Seigneur. Ben Sira, c'est dans ses problèmes qu'il a osé d'abord s'ouvrir à des hommes. Il n'a pas trouvé de secours là-bas. Il s'est ouvert. Il a une oreille attentive à Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il a cherché Dieu. Les versets sont là, je n'invente rien. Il ouvre les oreilles. Parce que tu as mis une leçon. Ce n'est pas seulement d'écouter. C'est de voir le gestuel de la personne. Et c'est pourquoi Ben Sira, quand il dit, je me suis rappelé de la miséricorde. Il s'est rappelé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté. C'est trop fort. Quand tu cherches ton Dieu, les versets là sont aussi clairs. C'est dans Ben Sira le sage. Spirituellement parlant, nous avons besoin d'être ouverts, chers amis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quel ne m'a fait de côté à mon problème? Quand m'a fait à mon problème? Ouais, moi, je n'ai pas de problème, ça fogna. Moi, j'ai combien de fidèles à gérer? Vous en avez combien? Vous avez votre mari, vos enfants. Moi, j'en ai combien? Aujourd'hui, j'ai 75 personnes à gérer. Ah, ah, c'est pas vrai. Je ne comment dire kini ah du problème ñen ñi di ma xolé beut bi nan ki limi wax est ce wër ñen ñi nan mais je gère mes problèmes en ayant un esprit ouvert. Je regarde, j'écoute, c'est bon, c'est ça ma recherche de la solution. C'est formidable. Alors le gars, quand vous dites dans votre thème là, cherchez le Seigneur, vous dites de tout votre cœur, vous n'inventez rien. Ben Sira lui-même, il en parle. Au verset 18, il dit ardemment, de l'ardeur. L'ardeur sort de notre cœur et de notre esprit si vous voulez. De tout votre cœur, vous dites, cherchez le Seigneur de tout votre cœur, ardemment. Oui, le verset 18. Ensuite, il dit, le verset 29, ne pas avoir honte. Eh, ne pas avoir honte. Le verset 21, il dit, j'ai même été bouleversé jusqu'au fond de moi-même. Celui qui cherche le Seigneur. Ah, waouh, waouh. Il faut que mon gnopati le tout. Il faut que je gnopati. Il faut que gnopati. Il faut gnopati. Comment on dit gnopati en français, ça? Pensez. Il s'est laissé, il a été bouleversé. On est bouleversé du point de vue des émotions, non? Et les émotions se trouvent dans notre cœur, non? N'est-ce pas? Donc, de tout votre cœur, c'est quand vous cherchez le Seigneur, il faut se laisser bouleverser. C'est pourquoi la louange,
qui casse les chaînes, c'est cette même louange-là que vous élevez vers le Seigneur qui touche votre cœur. Car la louange, et même la musique qui l'accompagne, n'est-ce pas, est là pour l'extase. Sank buñuy woy da ngeen ma lal bama xawa tepp mais teppuma mané baay ma maintenir ko parce que affaire bi jotagul ma téy ko fa. C'est bon, il a été bouleversé jusqu'au fond de lui-même, c'est ce qu'il dit. Et ça c'était le verset 21, non? Vous notez toujours? Notez de, parce que des questions vont venir. Le verset 18, il dit, jamais on ne peut le regretter. Est-ce que les regrets, ça existe, non? Regretter quelque chose, ça existe. Et le regret sort de notre esprit et de notre cœur, non? C'est une forme d'émotion. Je regrette quelque chose. Elle dit, celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur, là, tu n'as pas le temps de regretter, ouai. Hey, ouai, qui t'a donné? Vous avez dit sans cesse, non? Ben Sira revient dans le sans cesse. Au verset 15, il dit, depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, depuis ma jeunesse jusqu'à Adjakjak. Ça, ce n'est pas sans cesse. Hein? Verset 15. Au verset 20, il dit, moi-même, je sais que je ne serai pas abandonné. Donc, s'il dit que je ne serai pas abandonné, c'est dans la constance qu'il reste. Il ne sera pas abandonné, donc lui, il n'abandonne pas. Donc, c'est sans cesse. On poursuit. Au verset 14, il disait, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est sans cesse. Et enfin, au verset 11, il dit, sans me lasser. On est bon? Qu'on l'air, non? Danaka, lolo la mounon wak, te tenkeke. Cherchez le Seigneur de tout son cœur. Le louer sans cesse. Cherchez le Seigneur et le louer. C'est inséparable. D'ailleurs même, j'insiste sur quelque chose. Et ça rentre dans le cadre de cet enseignement. Que ça vous serve, que ça serve à d'autres personnes qui nous entendent, qui nous suivent. Et vous ferez les porte-paroles. On cherche le Seigneur, pas forcément pour que nous puissions lui dire dans notre recherche, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ça, c'est secondaire. Quand on cherche le Seigneur, obligation nous est faite de d'abord le louer. Celui qui loue, c'est celui qui dit ce que le Seigneur est, ce qu'il fait. Ben Sirac, il l'a dit. Il n'a fait qu'une louange. Tu as été mon défenseur, tu as été mon soutien. Tu m'as manifesté ta miséricorde et ta bienfaisance. Il loue, il loue. On cherche le Seigneur. Mais nous, quand on cherche le Seigneur là, ce n'est pas souvent pour dire, mais Seigneur, tu as fait ceci, cela. C'est d'abord pour lui dire, mais Seigneur, je te cherche parce que demain mon enfant passe le bac. Non, non, mon mari, il a besoin d'une promotion. Mes enfants, ils sont malades là, ils ont la grippe, je veux que tu les guérisses. Non, mais monsieur l'abbé là, il doit effectuer telle chose, je veux que tu lui donnes l'esprit de... Hey, demandez, dites d'abord au Seigneur ce qu'il est. C'est la manière de le chercher. Il est, il fait, il a. C'est ça notre louange. Ensuite, après, on lui dira, mais puisque tu as fait ça, mais fais ceci. Vous n'avez pas compris. Mais Denis, Bogado, oui, Seigneur, oui, non, donne-moi une voiture, donne-moi ce... Alors que tu avais déjà une voiture, même à côté. Non, Seigneur, mais Et puis c'est à nous de prendre le relais, de transformer les choses. L'Église catholique, dans son oraison, ne commence pas sans un rappel historique de tout ce que le Seigneur fait. Seigneur, tu as fait ceci, cela. Vous allez le remarquer dans la messe tout à l'heure. On dit l'attribut. On rappelle tout ce qu'il a fait. On le loue d'abord. Ben kay djema ki quoi? Naka lañ ko waxe? Dang kay bab. Si mère yaangi satané, dang kay bab. Bab len yalla. Bab len ko. Il faut l'amadouer. Il faut lui présenter ça, la louange. C'est une manière de le rechercher. Oui, mais non, non, Seigneur, mais donne-moi ceci, donne-moi cela. Et puis vous pensez que c'est un distributeur automatique. C'est un gap, oui. Wow.
Moi j'aime les jeux synonymiques. Babi ak tag bi. Tag bi gëna graw. Dañ koy tagas. Drôle. C'est ça non en wolof. Wa mais babi tamit nana babi mo gëna jeune. Yalla dama lay bab. C'est bon non? C'est cool. On a retenu les versets. Ce temps-là est un temps de l'Esprit Saint, on l'a invoqué. Il nous a rappelé justement ce qui était dans la Bible. On n'a rien inventé. Après, vous ferez l'obligation de le reprendre chez vous. Tout à l'heure, quand vous allez sortir, quand vous aurez un peu de temps, vous lirez encore le chapitre, n'est-ce pas? Et on aura le temps, le lendemain, demain plutôt, je veux dire, de redécouvrir d'autres textes bibliques qui vont conforter, confirmer ce que nous venons de dire. Aïe, ouai, l'olnerol. Quand on a eu des rendez-vous soubaré, l'air, on a eu des remèses, on a eu des actions de grâce. C'est ça, non? C'était pas long? Ça va? Le rythme là est bon. Vous l'avez, vous avez noté. Quand vous m'avez posé la question, dites-moi quoi t'as gardé. C'est bon? On est bon? Mais retraite, bi nexna. Kou nangou ni nexna rek yeketil sa loxom xol. Waye jeune espérance, yalla na len fi yalla baye. Ni la dafa day nex. Suba nak buma ñewé dama fi, hey suba. Yalla ñu yalla am may ba suba rek. Suba na ngeen paré nak, suba. Dañuy joggi ci texte bi dem feulé, voyager dans la Bible. Dans la on voyage dans la Bible. Alors pour la prochaine retraite, je ne serai pas là sans un autre prêtre. Venez avec vos bibles. On a trop laissé faire. Dites nous retraite, andi vos bibles. Ouais, c'est vrai dans les smartphones, vous avez AELF, c'est pratique aussi. C'est bon, ouais, duñ fi trimbalé ben bible. Mais graul baxna mais begna tiena wa xana ñu delu ci suñu baxuma am rek ñu wayat way bi rek ñu conclure nak waaw on est en retraite on oublie tout je vous en supplie oubliez tout et laissez le saint esprit être là présent qu'est-ce soyez docile au saint esprit la bible non on doit être docile au saint esprit laissez-vous guider laissez-vous transporter bu len kenn wo di len déranger nan la non gaz bi dafa jeex ak kawma lan ak lan Yo, yep, qu'on vous appelle surtout pas pour vous dire que il y a le gaz qui est épuisé à la maison. Si vous voulez, vous prenez 5 minutes rec, vous appelez. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ne me dites pas de mauvaises choses. Comment vas-tu, monsieur? Comment vas-tu? Comment vont les enfants? Qu'est-ce que après une coupée? Vous replongez encore dans la retraite. Waouh! Faites-le le. Aïe, ton timbé, calme, calme, marche bien, calme. Baillez-le, lol, yep. Vous êtes au monde d'abord, profitez-en. Soyez dans les mêmes dispositions que le Christ. Oui, il était là, tranquillement, dans son coin. Moi, j'ai fait mon bavardage. Maintenant, vous finissez, on finit avec le bavardage. Vous replongez encore dans le silence. Restez dans le silence là. Le silence est important. C'est bon? Mais hey, ça n'empêche pas la loi de gueuler le lit. Mikey. Waouh. C'est bon? C'est bon? Ouais, nous, on est